Hello, bonjour tout le monde, comment ça va? Michael Bublé vient de me dire qu'il trouve l'été long, franchement. pour l'instant, on est en train d'utiliser une nouvelle application et malheureusement, je ne peux pas voir, j'ai pas vos noms qui apparaissent. Donc, ça me ferait super plaisir si vous acceptiez, quand vous commentez, de mettre d'abord votre prénom. Que je puisse faire et coucou, que je puisse savoir qui c'est qu'elle a, d'accord? Alors, on est beaucoup ce matin, 50 personnes, écoutez, ça me fait tellement plaisir, mais merci d'être là avec nous ce matin. J'imagine que j'en ai qui étaient là il y a quelques minutes avec moi sur le 13KO, bonjour. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va commencer donc avec ces fameuses pantoufles boréales. Écoutez, c'est terrible. Moi, c'est un design que j'ai fait il y a 2 ans. À chaque fois que je recommence, j'ai... salut Chris, salut Corinne. À chaque fois que je recommence, qu'est-ce qui se passe? Je n'ai qu'une envie, c'est de prendre tous les restes de laine qui se baladent dans la maison et de faire des tralées de pantoufles. Salut Julie en direct de la Malbaie. Oh Marie-Zélo! Salut Ginette, hello Chantal, salut Marie-Josée, salut Carole. Ça me fait plaisir de vous voir là. Bonjour Carole, bonjour Sylvie. Et n'hésitez pas à me dire d'où vous venez, c'est tellement... La dernière fois, on avait le Mexique, on avait le Chili, on avait le Portugal. Vous me faites voyager. Salut Nathalie. Alors, donc voilà, moi je trouve que... Salut Martine. Alors moi j'adore, je trouve que c'est vraiment un petit peu le tout-ski de mon stage de tricot. Et Alexa, il est où mon sapin? Alors je pense que vous aviez, est-ce qu'elle est là? Je pense que vous aviez eu affaire à Matcha. C'est pas avec vous hein, que non. Matcha la dernière fois, la semaine dernière, elle est marchée sur mon ordinateur et éteint mon live. Donc Matcha, d'accord, c'est... Salut Brigitte. Matcha, c'est donc mon chaton, mon petit sibérien, qui m'a donné une bonne idée de ce qui allait se passer à Noël si jamais j'installais un vrai sapin. Donc, elle a attaqué le sapin, elle a enlevé à peu près toutes les décorations et elle s'est baladée avec celles qui étaient des petites clochettes et qui ont fait du bruit. Donc, on les a retrouvées dans la salle de bain, dans le lit de ma fille. Donc, pour plus de sécurité et pour la survie de ce magnifique sapin en plastique, je l'ai rangé parce que vraiment... Écoutez, il a pris cher, il a pris très très cher. Donc voilà, donc c'est vraiment en effet, hein, Julie, c'est un super projet d'Estache. Là, j'essaye de m'auto-convaincre que non, j'ai vraiment beaucoup de tricot, je donne beaucoup de cours et il faut vraiment, vraiment que je ne fasse pas des tralées de pantoufles. Salut Gwendaël de la Côte Basque. Donc voilà, mais je pense que dans ma trentaine, quand j'avais encore l'illusion que je serais une bonne comment dire, femme de foyer, ce qui n'a jamais été le cas. Je ne sais pas pourquoi, mais j'achetais de temps en temps les magazines de... comment ça s'appelle, la Martha Stewart. Et j'adorais le côté, vous rentrez et il y a un petit panier avec des pantoufles dans l'entrée, avec le pot de fleurs et tout. Donc voilà, faire des tralées de pantoufles, je pense que ça vient flatter le côté Martha Stewart en moi. Donc voilà. Oui, Matcha la terrible. Une chance qu'elle est mignonne. Hein. Et de Provence, hello. Oh, thym et lavande. Si c'est pas un joli, mais alors un très joli surnom. J'adore. Ok, bon. Allez, on va... j'espère qu'elle va pas venir. Je sais pas où elle est passée d'ailleurs. Mais voilà, je pense que Matcha doit être dans un coin en train d'essayer d'attraper des rayons de soleil. Alors, on va commencer. Donc, on va commencer avec les boréales. Ça va être notre premier projet. Donc, voilà. On va commencer par la semelle parce que ça va être un peu les premières techniques. Moi, ce que je vous propose, c'est d'essayer de faire les deux en même temps. Je trouve que c'est une bonne chose parce que vous ne pourrez pas souffrir d'un syndrome qu'on donne surtout aux chaussettes, qu'on appelle le second sock syndrome, le syndrome de la deuxième chaussette qui fait que c'est facile de faire la première mais pas la deuxième. Chris, toi aussi tu rêves d'un panier de pantoufles. Je sais pas, j'ai l'impression que ce panier de pantoufles, il est comme une incarnation de notre d'un petit chez-soi très Inge, Ig, 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 façon Ikea, façon danois, voilà.
Bon, à la base, mon petit chez moi ressemble plus à un énorme fatras avec beaucoup de pelotes de laine qui se battent entre elles. Donc voilà. Alors, les pantoufles boréales, donc on va commencer, ça commence par la semelle. La semelle, elle est faite au point mousse. Et ce qu'on va voir en fait, c'est que c'est un travail d'augmentation avec des augmentations intercalaires. Alors, je vais d'abord vous montrer à quoi va ressembler la semelle quand elle va être terminée. Coucou, bon matin! N'oubliez pas de me mettre votre prénom, puisque pour l'instant, on n'a pas encore réglé le fait que je vous vois pas. Je ne sais pas qui c'est qui c'est qui est derrière le Facebook user. Salut Michel du Lac Mégantic. Alors, ok, je vous montre donc la semelle, à quoi elle ressemble. Donc la semelle, une fois qu'elle est terminée. Oups, attendez. Alors, attendez. Alors là, ça c'est drôle. Juste parce que Paul, si vous ne savez pas, Paul, c'est super femme. Attends, Paul. Tu sais, j'étais en live avec moi sur mon live de ce matin. Donc, Paul, elle a une super boutique de laine à Rimouski qui s'appelle La Vilaine. Si vous êtes dans ce coin-là, vous devez y aller. Paul, je te rappelle après, hein? Bye bye. Bye. Donc voilà, Paul, salut tout le monde. Si vous êtes dans le coin du bas du fleuve, vous devez aller voir la boutique de Paul. Et les joies du live. Salut Isabella! Donc, voilà la semelle une fois qu'elle est terminée. Alors attendez, la caméra va prendre un peu de hauteur. Voilà, donc, en long évidemment, voilà, ça donne du long. Mais moi, ce que je veux que vous voyez, c'est que quand je vais le replier, elle va être comme ça, ma semelle, vous voyez? C'est Ben qui écrit ça. J'ai du mal à mettre les noms. J'appelle Mark Zuckerberg tout de suite après. Voilà, tu appelle-le. Voilà, c'est ça. Ok, donc, vous voyez, une fois qu'on va replier, hein? C'est ça qui va nous donner notre semelle. Vous voyez, la couture, elle va être ici. Donc, pour qu'on comprenne un petit peu ce qu'on fait, parce que vous allez voir que dans mes cours, j'aime que les gens comprennent pourquoi on fait les choses. Salut Laurence! Donc, on va faire des augmentations au début et à la fin du rang. Et ça va faire quoi? En fait, ça va faire notre talon. Vous voyez, ça fait le petit talon qui est là. Voilà, c'est ça qui fait le talon de notre pantoufle. Et les augmentations qui vont se faire au milieu, eh bien, c'est ça qui va faire le bout du pied. Donc, c'est comme ça qu'on va faire la semelle. On va avoir des rangs d'augmentation avec des augmentations en début de rang, des augmentations au milieu de rang et une augmentation à la fin. Donc, c'est un rang d'augmentation qui a 4 points, un à droite, deux de chaque côté du milieu et un à gauche, d'accord? Salut Cindy! Salut de la Réunion! Ok, donc déjà, voilà, ça c'est pour la petite compréhension. Puis, j'aime que vous compreniez pour une autre raison. Imaginez que vous voulez les faire plus petites. Eh bien, si vous avez compris que c'est donc au début, au milieu et à la fin que vous allez placer vos rangs d'augmentation, ça va être vraiment pratique pour pouvoir jouer là-dessus. Alors, est-ce que ça prend absolument des aiguilles circulaires? Non, ce projet-là, il est fait en droit envers. Donc, tu peux tout à fait travailler sur des aiguilles droites. Moi, j'adore les aiguilles circulaires, je n'ai que ça. Mais tu vois, tu peux complètement travailler sur des aiguilles droites, ça te donnera la même chose. Alors, ça donne une largeur de combien? Alors, tu parles d'une largeur ici, hein, on est d'accord? Donc, si je regarde ici la largeur de la pantoufle, ça donne une largeur de 7 cm. Donc, si tu penses que tu tricotes lâche, tout simplement, serré, je veux dire, tout simplement, au lieu de prendre du 5, prends du 6. D'accord? Mais attention, quand c'est lavé, ta laine, elle va aussi beaucoup gonfler. Donc, attention à ça. D'accord? Ok, donc on se retrouve. Voilà. Donc, ça, c'est pour la compréhension, un petit peu de comprendre. Pourquoi est-ce qu'on va faire cette semelle et comment on va la faire? Voilà. On commence. Alors, très important, on va commencer
en tenant deux fils en même temps. Je sais que ça fait peur à certains qui sont là, oh, deux fils, ouh là là. Alors, grande nouvelle, ça fait exactement la même chose. Deux fils, tricoter à deux fils comme tricoter à un, il n'y a rien qui change. Voilà, vous voyez, je prends deux fils, je tricote exactement de la même manière que si j'en tricotais un. Simplement, je prends mes deux fils dans la main et puis, tagada, douin, yeah. C'est hyper facile, d'accord? Donc, s'il vous plaît, ne vous effrayez pas pour cette histoire de deux fils. Je sais que je voyais des lueurs de frayeur des fois chez mes élèves quand on commençait, qu'ils disaient « Oh mon Dieu, deux fils !» Là, il n'y a rien là, d'accord? Hop, cette petite pensée-là, hop, on la met dans la boîte qui ne sert à rien et on flush. Voilà. Donc, on commence, on monte nos 60 mailles, on commence, on fait deux rangs tout à l'endroit, on n'oublie pas... C'est une semelle qui est faite avec un point mousse tout à l'endroit. Ensuite, au niveau de votre montage, attendez, je vais revenir un peu avant. Je ne sais pas quel montage vous utilisez. Personnellement, je fais un montage qui s'appelle un long tail cast on. Alors, je vais vous le montrer, mais je ne vais pas forcément l'expliquer parce que vous allez retrouver cette vidéo. Il suffit d'aller sur la chaîne YouTube. Et vous allez sur le premier cours de les bases du tricot avec une couverture. Évidemment, comme d'habitude, cours gratuit et tout. Et je montre ce montage-là. Je l'aime beaucoup parce que c'est un montage très net, très clair. Et en plus, il est élastique. Donc, je veux dire, il a tout pour plaire. Donc, je fais à peu près tout avec ça. Ben, reprends pas toutes mes expressions. C'est du live. Des fois, je dis des bêtises. T'as déjà fait les semelles, Cindy? Oh, génial! Et tu peux pas envoyer la photo. Oh, commencez pas, vous. J'ai pas qui... commencez pas. Ok. Sérieux, là. J'essaie d'être sérieuse. Ok, donc. Dans un long tail cast-on, on laisse un long bout de fil. Vraiment un long bout de fil. Alors, souvent, on me pose une question qui est très intelligente, qui est, mais je laisse ce fil-là de combien long? La réponse, elle est, on laisse ce fil-là long de... 3 fois la longueur de ce que l'on va faire. Donc, par exemple, petit exemple, si... Alors là, il faut que je change là, ok. Donc, si je fais une tuque, je commence, je prends la circonférence de ma tête et je vais remettre 3 fois le fil et hop, je sais que je vais avoir assez de laine pour pouvoir faire mon long tail cast-on. Et alors ça, c'est super intéressant. Pourquoi ? Mon Dieu, j'ai déjà fait les semaines... Pff, je fais trop de cours. C'est pas grave. Je fais trop de cours, mon Dieu. Non, j'en fais pas trop de cours, mais je me mélange les pinceaux entre vous tous. Ok, donc on a déjà fait la semelle, c'est parfait. Donc, pour... ça y est, vous m'avez... Je suis complètement déboussolée maintenant. Ok, non, c'est pas grave. Donc, on a fait la semelle, on va passer... Comment être embarrassée en live? Non. Alors, j'avais prévu le coup, évidemment. Toujours avoir un coup d'avance. Regardez, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? On m'aime pareil, mais on m'aime à cause de ça. Parce que je suis toujours la personne qui va mettre les pieds dans le plat. Comme ça, vous n'avez pas à le faire. Alors, regardez, on va faire... Mais non, je regardais si vous suiviez, évidemment. J'avais besoin de voir si vous suiviez. D'accord? C'était un test. C'est bien, vous avez bien réussi le test, d'accord? Non, c'est un test. Donc regardez, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? On va faire le tour du pied et on va faire le dessus du pied. Donc on va avoir deux techniques, trois techniques même qu'on va voir aujourd'hui. Vous avez vu comme je rebondis bien? On va avoir trois techniques. On va avoir les fausses côtes anglaises, donc c'est ça qu'on va voir. Mais le plus important, on va voir comment on fait des rangs raccourcis en travaillant là-dessus. Bon, allez, j'arrête de faire mes phases de bœuf. Heureusement, je pense pas que mon chéri me regarde. Donc, voilà. Ok, on continue. Oh, donc, on commence par les fausses côtes anglaises. Alors, très important, les fausses côtes anglaises, c'est très facile, mais il faut absolument commencer avec un nombre de mailles impair. Ok? C'est pour ça que si...
C'est pour ça que je demande au rang 6 d'enlever une maille et qu'on se retrouve avec 71 mailles. C'est vraiment important. Pour les hommes, je pense que c'est 79. Si vous n'avez pas un nombre de mailles impair, vous n'arriverez pas à faire votre fausse côte anglaise. Très simple, la fausse côte anglaise, si vous avez déjà travaillé en côte, vous verrez, il n'y a, y a pas de gros mystère. C'est un seul rang. C'est vraiment un seul rang qui se répète. Sauf que ce petit rang-là, attendez, je vais juste monter des mailles pour vous faire une petite démonstration. Voilà. Donc, la différence, c'est que normalement, si vous faisiez une côte de 2, mais vous commenceriez 2 mailles en droit, 2 mailles en vert, 2 mailles en droit, 2 mailles en vert. Là, ce qu'on fait, c'est qu'on commence par 3 mailles à l'endroit et ça fait que tout se décale. D'accord ? Mais c'est juste au début. On commence par 3 mailles à l'endroit et après, c'est parti. 2 en vert, 2 en droit, 2 en vert, 2 en droit. Mais chaque début de rang commence par 3 mailles à l'endroit. Et c'est ça qui va donner ce côté... Je le rapproche, vous voyez ? C'est ça qui va donner ce qu'on appelle cette espèce de fausse côte anglaise. Alors, pourquoi fausse côte anglaise ? Sachez qu'il y a aussi la vraie côte anglaise qui est un petit peu plus tannante à faire parce qu'il faut aller rechercher la maille dans le rang d'en dessous. Voilà. Là, on n'a même pas à faire ça. On triche. Et ne vous inquiétez pas parce que quand on commence, ça ne se voit pas. C'est-à-dire, qu'est-ce que je dis que ça se voit pas ? C'est-à-dire que quand vous faites vos deux premiers rangs, vous avez l'impression que c'est un peu un gloubi-boulga de mailles, il n'y a pas un motif particulier qui se dessine. Il faut attendre d'avoir fait encore deux rangs de plus pour qu'apparaisse une sorte de maille centrale. Donc quand je parle de maille centrale, vous voyez, voilà, quand je parle de maille centrale, je parle de cette petite maille à l'endroit que l'on voit bien au centre. Voilà, il va falloir faire au moins quatre rangs pour être sûr de voir la maille centrale qui apparaît, d'accord ? Donc ça, c'est normal. Donc, très très simple, on commence, donc, on va joindre un nouveau fil. Donc, si vous avez décidé de faire les pantoufles comme dans le patron, hein, on a donc trois couleurs de fil, A, B et C. Donc, on va couper un fil A. Et on va joindre le fil B et on va faire donc 6 rangs en fausse côte anglaise avec cette combinaison. Et après, vous allez cesser d'utiliser le fil B et vous allez joindre le fil C et on refait 4 rangs. Attention, suivez bien le nombre de rangs que vous faites parce que, par contre, c'est un point où il est difficile de compter ses rangs. D'accord ? Donc, essayez d'être très clair. Arrêtez le téléphone, faites quelque chose, d'accord ? Je vois qu'il y a des gens qui sont particulièrement culturés sur nos émissions en France. En effet, j'adorais cette émission. Ma grand-mère m'avait fait d'ailleurs Casimir en tricot. Petite parenthèse. Ok, donc je vais penser que pour le tour du pied, la difficulté, elle n'est pas là, d'accord ? Maille en droit, maille en vert. Ah, est-ce que c'est possible de faire la pantoufle à une ou deux couleurs de laine seulement ? Mais tout à fait. Hein, je veux dire, il n'y a rien qui va changer. Hein. La seule chose, moi, en jouant avec les couleurs, c'est juste que j'enlève un fil, j'en mets un autre. Si vous décidez que vous allez la faire à deux couleurs, vous la faites à deux couleurs ou avec une seule couleur, c'est possible aussi. Le plus important, c'est d'avoir ce fil double ou cette bonne grosseur de laine, d'accord ? Il n'y a pas de problème. Ok. Maintenant, une fois, ça, le tour du pied est assez simple. Là où ça peut poser un petit peu plus de problèmes, évidemment, c'est pour le dessus du pied, d'accord ? Ben, d'accord. Un petit peu de culture, Ben. Ok, donc une fois que j'ai fait mon dessus du pied, donc j'ai fait un total en fait de 10 rangs en côte de 2, vous allez commencer le dessus du pied. Alors pour ça, on va mettre en attente sur les aiguilles 29 mailles de chaque côté. Alors je sais que ça, c'est un petit côté où j'ai tendance à perdre un peu les gens là-dessus. Donc je vais juste vous montrer qu'est-ce que ça veut dire. Mettre en attente et vous allez voir, ça ne veut pas dire attention qu'on va les mettre sur un arrêt de maille par exemple. On les met pas de côté définitivement et on les oublie, on va les tricoter. Donc hop, on va faire une petite démonstration, on va passer en caméra, voilà. Alors mettre 29 mailles de chaque côté. Alors
je vais en mettre évidemment moins pour les causes de la démonstration. Mettre 29 mailles de côté, vous allez voir, je vais juste transférer sur mon aiguille de droite. Voilà, on va dire que là, j'en ai transféré 29. Voilà, je ne coupe pas mes fils, ils sont ici. Maintenant, je vais travailler uniquement sur les mailles centrales. Alors là, ça va être vraiment intéressant. Hop, je vais prendre une nouvelle laine. Donc là, j'ai 29 mailles. Là, je vais commencer le rang 1. Je suis sur l'endroit de mon travail. Et là, qu'est-ce qu'on me dit? On me dit, glissez une maille, faites 11 mailles à l'endroit et un surjet simple. Alors, glisser une maille, on se rappelle que pour glisser une maille, on ne la tricote pas. Donc, je vais glisser ma maille comme pour la tricoter à l'envers. S'il vous plaît, ça c'est important. Ne glissez pas votre maille comme pour la tricoter à l'endroit, mais comme pour la tricoter à l'envers. Cela va bien la placer pour la diminution plus tard. Donc, je glisse ma maille comme pour la tricoter à l'envers. Voilà. Maintenant, je vais tricoter 11 mailles. Donc, je joins mon fil. Quand je joins mon fil, je n'ai pas besoin de faire un nœud ou quoi que ce soit. La seule chose, c'est que je vais laisser au moins, je dirais, une dizaine de centimètres de côté. Voilà. Et je vais juste faire une petite boucle comme ça. Et je vais commencer à tricoter. Vous voyez, je n'ai pas besoin de faire un nœud, de faire quelque chose de complexe. Je rentrerai mon fil plus tard. Hop, je le laisse tranquille. Ok. Donc, on dit que je vais tricoter 11 mailles. Donc, dans mon cas, je vais en tricoter un petit peu moins parce que ça ne sert à rien. Je ne fais pas mes pantoufles, mais voilà. On va dire que j'ai tricoté mes 11 mailles ici. Maintenant, on me dit de faire un surjet simple. Donc, au choix, vous pouvez faire un surjet simple ou vous pouvez faire aussi un glisse-glisse et tricote. Donc, surjet simple, on se rappelle, je glisse ma maille comme pour la tricoter à l'endroit, c'est important. Je tricote la maille suivante. Voilà. Et je rabats la maille qui a été glissée par-dessus la maille qui est tricotée. Voilà, ça c'est un surjet simple. C'est ce qu'on appelle une diminution orientée gauche, on peut le voir comme ça. Si il y en a qui tricotent surtout de la manière anglaise, vous pouvez faire un GGT. Donc GGT, c'est la même chose. Donc glisser une maille, je remets les deux mailles sur mon aiguille de gauche et je tricote les deux ensemble et ça va partir à gauche de la même manière. Donc là, je vous le laisse à votre discrétion, vous pouvez tout à fait travailler de ces deux manières. Maintenant, là, vous avez aussi 29 mailles de côté. On les oublie, on ne va pas s'en servir. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On va tourner. Donc, on tourne, hop. Ben voilà, j'ai tourné. Je suis maintenant sur l'envers de mon travail puisque je travaille sur les mailles du centre et je viens grignoter à chaque fin de rang une maille de côté. Donc, je commence, je glisse toujours la première maille comme pour la tricoter à l'envers. Je vais tricoter ensuite à l'envers, on me dit 11 mailles, donc je tricote 11 mailles. Donc comme je dis pour l'exemple, j'en fais moins évidemment. Dans le premier rang, quand vous allez avoir fini de tricoter 11 mailles, vous allez être rendu en fait là où vous aviez commencé avec votre fil de début, c'est normal, d'accord ? Et là, qu'est-ce qu'on va faire ? On va tricoter deux mailles ensemble à l'envers. Donc, c'est tout à fait normal que pour le premier rang sur l'envers, vous soyez sur ces mailles comme ça, d'accord ? Donc, je tricote une, deux et je tricote les deux mailles ensemble à l'envers. Voilà. Attention Isabella, non, on utilise tout le temps les deux fils. Là, c'est parce que je prends des grosses laines pour que ça soit super apparent à l'écran, d'accord ? Mais on va travailler, donc je te montre la pantoufle en tant que telle, tu vois. Excusez-moi. Donc, tu vois bien, j'ai utilisé deux fils. Hein. Toute la pantoufle est réalisée avec deux fils, d'accord ? Là, j'utilise un seul fil, c'est juste parce que c'est de la grosse laine et c'est vraiment très apparent à l'écran. Donc, une fois que j'ai fait mon rang en vert, qu'est-ce qui se passe? Hop, je switch, je te réponds après, Elise.
je switch. Et ça va être la même chose. Je glisse la première maille comme pour la tricoter à l'envers. Et je vais tricoter 11 mailles après. Hop. Et si vous avez bien fait votre compte, quand vous avez tricoté vos 11 mailles, vous vous retrouvez avec une maille du centre et un petit fossé et une maille qui vous attend. J'appelle ça un peu Roméo et Juliette. Juliette à son balcon, Roméo qui est là. Et nous allons les réunir. Donc, on va faire le surjet simple. On comble l'espace et on vient grignoter une maille qui nous attend à gauche. Voilà. Puis, on tourne à nouveau. On glisse la première maille comme pour la tricoter à l'envers. On va tricoter 11 mailles. Et encore une fois, si vous avez bien fait ça, vous devez avoir Juliette en haut, Roméo qui l'attend au balcon, et on va au balcon qui l'attend en bas au jardin, et nous allons les réunir. Donc on va tricoter deux mailles ensemble, voilà, et donc ça fait qu'on grignote une maille qui était en attente. Voilà, donc vous voyez. Je tricote sur les mailles du centre. À chaque fin de rang, je viens prendre une des mailles en attente à droite, puis ensuite une des mailles en attente à gauche. Et c'est ça qui va faire en fait que le bout du pied, il va tourner. Parce qu'on travaille sur les mailles du centre, donc ça fait tourner. Et on vient chercher vraiment une maille à droite et une maille à gauche à chaque fin de rang. D'accord ? Donc, c'est important. Voilà. Et on va continuer ainsi jusqu'à ce que vous obteniez à droite et à gauche un total de 16 mailles. Ok, donc vous voyez, je termine sur un rang à l'envers. Je termine mon rang à l'envers et je vais avoir un total de 16 mailles qui restent à droite et 16 mailles qui restent à gauche. Quand j'ai fini mon dernier rang à l'envers, qu'est-ce que je vais faire? Je vais simplement glisser toutes les mailles qui me restaient à droite sur l'aiguille pour pouvoir recommencer sur un rang au complet. Donc, comment est-ce que je fais? C'est pas compliqué. J'ai terminé sur un rang envers et je vais simplement glisser sur mon aiguille toutes les mailles qui m'attendent à droite. Voilà, comme ça, je suis prête à recommencer mon rang ici. Alors, je vois que j'ai des questions. Alors, comment je reprends le fil C qui est au début des mailles en attente? Alors, moi, ce que je fais normalement, attendez, on va se remettre, voilà, que vous parliez par un papier. Donc, moi, en fait, à la base, quand je tricote ces pantoufles-là, je fais deux pelotes de chaque couleur. C'est-à-dire que je n'ai pas un brun, un rose, un vert, par exemple. J'ai deux pelotons de brun, deux pelotons de vert, deux pelotons de rose. Comme ça, je n'ai pas à me poser cette question-là. Sinon, ce que tu peux faire, c'est simplement tirer le fil de l'intérieur de ta pelote pour pouvoir jouer là-dessus, d'accord? Ensuite, digidou, comment dois-je faire le calcul pour des pantoufles plus petites? Alors, moi, je n'ai pas fait le calcul dans le sens où ça dépend tellement des pieds. Donc, ça va dépendre des pieds. C'est un peu un essai-erreur. Moi, je te dirais, c'est un peu peut-être en faire des grandes d'abord, puis essayer et voir, ok, le pied de la personne, est-ce qu'il est moitié plus petit? Dans ces cas-là, ben, tu sais, au lieu de monter 60 mailles, j'en monte 30. Ou est-ce qu'il est un quart plus petit? Et puis, je fais un beau petit produit croisé. D'accord? Alors, Martine, oui, ce sont des rangs raccourcis, exactement. Ok? Alors, attendez, j'essaie juste de voir. Ok, comment... Est-ce que j'ai répondu à tout le monde? Oui, alors, combien est-ce que je dois avoir de fils au total si, par exemple, j'avais que de l'uni? Je te dirais qu'il va t'en falloir quand même... attendez, 180, 100... je te dirais au moins 200 grammes de fils puisqu'on va doubler. D'accord? Donc, je te conseillerais d'avoir au moins 200 grammes de fils si tu y allais avec de la laine unie. Mais oui, c'est ce qu'on appelle des rangs raccourcis. C'est aussi comme ça que l'on travaille le talon d'une chaussette. Donc, vous voyez, on est en train de mettre en place un petit peu
de mettre en place un petit peu pour les prochains cours, puisque nous avons un cours pour faire des chaussettes de lecture. Alors Ben, je n'ai pas trouvé les semelles en cuir sur votre site. Je pense que Ben va pouvoir te mettre, voilà, Ben va te mettre le lien pour ça. Ok. Quelle est l'erreur que l'on me fait extrêmement souvent? Donc celle-là, je vais en parler parce que alors là, une fois sur cinq, cette erreur-là, elle apparaît. D'accord? Oh, le patron, c'est les pantoufles boréales. On va le mettre aussi, Ben, si tu peux lui mettre, s'il te plaît, remettre le lien. Donc, quelle est l'erreur que vous me faites? Eh bien, l'erreur que vous faites, c'est que quand vous glissez votre maille, vous ne comptez pas 11 mailles en droit après. Vous pensez que la maille glissée, elle fait partie des 11 mailles. La maille glissée, elle ne fait pas partie des 11 mailles. Donc, ça veut dire que je glisse une maille et après la maille glissée, j'en compte 11. La maille qui est glissée, elle ne compte pas pour une maille. C'est la maille 0. D'accord? Donc, ça, faites très attention. Alors, j'ai déjà fait mes semelles plus petites. Comment je dois calculer le nombre de mailles à mettre de côté? En fait, comme je te disais, c'est un ratio, d'accord? Donc, au niveau du ratio, si tu as, par exemple, si tu as mis la moitié des mailles, au lieu de monter 60 mailles, t'en as monté 30, au niveau des mailles mises de côté, tu divises par 2 aussi, d'accord? Ça va être la même chose. Vraiment, c'est des produits croisés que tu peux utiliser. Ça va te donner les bonnes équivalences. C'est bon? Ok. Donc, après, on va s'arrêter là pour ça. Et on va se garder pour la fois d'après la fin. C'est-à-dire, comment est-ce qu'on va diminuer les côtes. Mais surtout, et ça va être le plus important, on va voir comment faire les coutures. Quoique, je suis en train de me dire, on est bien parti. Est-ce que ce que j'ai fait est clair? Parce que dans ces cas-là, je vais peut-être aller un peu plus loin. Faites-moi un petit feedback là. Est-ce que ce que j'ai expliqué était assez clair pour vous? Et dans ces cas-là, j'avance un petit peu. Et comme ça, le prochain cours, ça sera uniquement les coutures. Ou vous préférez avoir un petit respire? Dites-moi ça. Prochain cours. Bon, alors, nous allons commencer les semelles. Non, je rigole. C'est très clair? Ok, dans ces cas-là, le reste est assez simple. Donc, je décide que... Oh, ok, ça va bien. Oh, mais alors, on continue. Non, on continue. Ok. Parce que la suite est vraiment simple. Ok, dans ces cas-là, on continue comme ça. Au prochain cours, ce qu'on va voir, c'est juste les coutures. Et on verra comment partir le prochain cours, on verra comment faire les coutures et comment partir le nouveau projet. Ah ben, on continue. Alors, écoutez, on va continuer tout simplement. Ok. Donc, dans ces cas-là, on a donc récupéré toutes nos mailles. Ok, elles sont tous là. Ok, bon, je vois que tout le monde est willing. On les finit. Et c'est un projet rapide à faire quand même. Hein. C'est vraiment cool. Ok. Donc, on n'avait pas coupé les fils à essai. Ils sont encore ici, d'accord? Donc, ce qu'on peut faire, c'est qu'on va commencer le rang d'après. Et c'est un rang de diminution. C'est important puisque votre cheville, évidemment, elle est plus fine que le reste du pied. Donc, on va diminuer. Donc, je vais juste... On va voir. Voilà. OK. Donc, vous allez voir, c'est assez simple. Ça commence. Une maille en droit, deux ensemble avec un V. Donc, vous les retrouvez ici dans les abréviations. Hein, mais c'est deux mailles ensemble en vert. Donc, je fais une maille en droit et ensuite, je fais deux mailles ensemble à l'envers et je vais le répéter 6 fois au total. Donc, total, c'est important, d'accord? Ça veut dire que là, vous voyez, ça compte sur 3 mailles. 3 fois 6, il y a 18 mailles qui sont imbriquées là-dedans, d'accord? Après, je vais faire une maille en droit, une maille en vert, 5 fois au total. Donc, hein, quand vous avez les chiffres ici, cela concerne toujours ce qu'il y a dans les astérix. Donc, si je vous dis 5 fois... Ce n'est pas 5 mailles en vert, c'est 5 fois une en droit, une en vert. Donc, ça concerne un total de 10 mailles, hein, 5 fois 2, 10. Puis ensuite, on fait une seule fois 2 mailles ensemble. Attention, hein, il n'est pas dans l'astérix, une seule fois 2 ensemble. Et après, on va faire
deux mailles ensemble en vert, une maille en droit, c'est pris dans les astérix et on va les répéter pour un total de 5 fois. Donc on finit par une maille à l'endroit. Ok ? Donc est-ce que ça c'est clair ? Vraiment, juste toujours vous concentrer quand vous avez une phrase, un rythme entre des astérix et qu'on vous dit ensuite le nombre de fois, hein, ça concerne ce qu'il y a dans les astérix. Faites très attention à ça. Puis on va tricoter en côte 1-1 pour 5 rangs, en commençant par une maille en vert. Donc côte 1-1, on est d'accord, une maille en droit, une maille en vert. Hein. Hop, attendez, je récupère mon tricot. Hein, la côte 1-1, je pense que pour tout le monde, hein, une maille en droit. Je passe mon fil devant, une maille à l'envers, ok. Et je tricote les mailles comme elles se présentent. Donc une maille en droit. Je mets mon fil devant, une maille à l'envers. D'accord ? Donc, c'est très important. Vous voyez, j'ai une alternance de maille en droit, maille en vert, et elles sont toujours tricotées comme elles se présentent. Tout simple. Donc, on va faire nos 5 rangs en côte 1-1. Je vais couper les fils et cette fois-ci, je vais prendre juste le fil B et je vais faire 4 rangs de plus avec B plus B. Bon, ça, c'est écrit dans le patron, vous ne devriez pas avoir de mal. Je coupe les fils et je vais rabattre les mailles avec C plus C. Donc là, je vous embête. Là, c'est vrai que je vous embête un peu parce qu'il va y avoir du fil à rentrer, c'est clair. Mais ça donne un bel effet. Donc, alors, je suis vraiment perdue. Alors, à quel endroit tu es perdue ? J'ai 13 mailles au centre. Et 26 mailles sur chaque côté. Alors, 13 mailles au centre, c'est normal, puisque tu as 11 mailles au centre, mais tu as aussi la maille glissée au départ, ça fait 12, et tu as la diminution que tu as fait quand tu rejoins Juliette et Roméo, ça fait 13. Donc, c'est normal que tu aies 13 mailles au centre, d'accord ? Et quand tu es 26 mailles sur chaque côté, Isabelle, tu es dedans, il n'y a pas de problème, hein. Vraiment, n'oublie pas, une maille glissée, ça compte pour... Tu en auras une, tu as les 11 mailles au 100, donc 12, et tu fais ta diminution, 13. Donc Isabella, ne t'inquiète pas, il n'y a pas de problème, c'est parfait. Maintenant, on va se parler de comment vous allez rabattre. Parce que alors là, le rabat, c'est là où vous pouvez complètement bousiller votre pantoufle. En fait, pas bousiller, mais bon, ça veut dire qu'il va falloir recommencer au moins la bordure. Parce que, qu'est-ce que vous me faites souvent ? Ben, vous rabattez tout à l'endroit. Mais alors ça, vous me le faites. Mais alors là, vous avez tellement l'habitude de travailler au point mousse ou en jersey que, qu'est-ce qui se passe ? C'est que quand vous faites de la côte, ben, vous allez rabattre comme si vous étiez en point mousse ou comme si vous étiez en jersey. Pépouse, comme dirait Émilie. Alors, Isabella, est-ce que c'est plus clair ? Donc, si je travaille en côte 1-1, je rabats en côte 1-1. Alors, attendez, je vais faire mon petit exemple. Alors, ça veut dire quoi, rabattre en côte 1-1 ? Eh bien, rabattre en côte 1-1, ça veut dire qu'on suit son point. Et ça, c'est important. Même si vous aviez un point de riz, un point de blé ou name it, n'est-ce pas, n'importe lequel point, on rabat en suivant son point, d'accord ? Et ça, c'est un petit peu le problème... On a toujours entendu que rabattre, c'est rabattre tout à l'endroit parce que ben, on a un petit peu l'habitude de travailler toujours en jersey. Ok, donc attendez, je finis mes deux rangs de côte et je vais vous expliquer ça veut dire quoi rabattre. Et ça veut dire quoi rabattre souplement. Parce qu'alors là, si vous rabattez pas souplement, vous allez avoir du mal à rentrer dans vos pantoufles. Donc, rabattre souplement, ça veut dire quoi? Alors, voilà. Alors, regardez bien. Je viens de faire donc deux rangs en côte 1-1. Donc, on voit bien mes petites mailles en droit et les petites perles de mes mailles en vert. Donc, rabattre en côte 1-1, eh bien, ça veut dire tout simplement, je tricote une maille à l'endroit puisqu'elle se présente à l'endroit. Mais là, c'est une maille à l'envers. On voit sa petite couronne là. Donc, hop, je vais la tricoter à l'envers. D'accord ? Et là, je vais rabattre. Et alors, je vais rabattre, mais alors... Je vais imaginer que je fais des œufs en neige. Je vais rabattre très souplement. Hein, je ne tire pas.
Parce que si je fais ça, ma bordure va être tellement serrée que je vais vraiment avoir du mal à enfiler mes pantoufles. Donc, maintenant, j'ai une maille à l'endroit, je la tricote à l'endroit. Et je vais rabattre. Et je rabats comme tout doux, tout doux, tout doux. Voilà, je ne serre pas mon fil, très important. Si vous avez une tendance malheureuse à rabattre trop serré, s'il vous plaît, prenez une aiguille numéro 6 pour rabattre, d'accord? Parce que vous allez vraiment avoir du mal à enfiler vos pantoufles. Je passe mon fil devant parce que là, j'ai une maille à l'envers. Et je vais tricoter ma maille à l'envers avant de rabattre très souplement sans tirer sur le fil du tout. C'est aérien. Un rabat, ça doit être aérien. Pensez quand vous amalgamez hein, les œufs en neige dans une préparation au gâteau. C'est aérien. Ok, donc j'y vais, maille à l'endroit. Et je prends ma maille et je passe par-dessus. Voilà. Donc, ça doit rester élastique. Vous voyez comme c'est élastique? Très important. Très élastique. Voilà. OK? Donc, voilà. Vous allez jusqu'au bout, évidemment. Donc, c'est ça, suivre, voilà, vous voyez, on peut rabattre dans n'importe quel point. Simplement, je suis mon point, voilà. Et après ça, je vais couper mon fil à au moins une dizaine de centimètres de mon tricot. Je tire, je passe mon fil dans la boucle et je resserre. Voilà, donc, vous voyez, c'est un rabat qui est élastique. Et surtout, c'est un rabat qui a suivi ma côte. Voilà. OK? Donc, Isabella, le patron dit 16 mailles de chaque côté. Donc, ce qu'il faut penser, d'accord, Isabella? Je reviens là-dessus. Tu vois, j'ai 13 mailles ici, puisque j'ai la maille que je glisse puis la dernière diminution. En fait, qui est là, la dernière diminution est là, la maille glissée. Donc ici au centre, quand j'ai terminé toutes les diminutions, j'ai 13 mailles ici et j'ai ici, j'ai 16 mailles à droite et j'ai 16 mailles à gauche et j'aurai terminé sur un rang en vert. Voilà. Donc je vais avoir un total de 16 et 16, 32, 32 et 32 et 13, 45. C'est ça, exactement. On va avoir 45 mailles. Au total. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a des points sur lesquels je dois revenir? Parce que c'est vrai que je suis un peu passée rapidement sur le rang de diminution, mais je vous dirais là, juste suivre. Là, c'est vrai que au niveau technique, c'est deux mailles ensemble, qu'elles soient deux mailles ensemble à l'envers. Donc, c'est vraiment prendre deux mailles ensemble et tricoter à l'envers, puis faire de la côte 1-1. Alors, juste... ce qui peut me paraître complètement évident peut tout à fait paraître à certains absolument pas évident. Donc, voilà. Non, c'est 16 mailles de chaque côté, pas 26. Hein. C'est 16 mailles de chaque côté, pas 26 mailles. D'accord? Quand tu termines... Oups, attends, je vais voir ce... Voilà. Quand tu termines ton patron, d'accord, oups, quand tu termines ton patron, donc tu as, oups, je ne sais pas si, attends, je vais le faire avec la caméra, ça va être plus simple que, voilà. Donc regarde, tu as 16, hop, voilà, 16 mailles de chaque côté, pas 26, d'accord, et 13 mailles centrales. Quand c'est écrit mettre en attente sur des aiguilles, est-ce qu'on peut les mettre sur des aiguilles à part ou on peut les garder par exemple sur la partie centrale des aiguilles circulaires? Alors, très simple, hein, moi je ne mets pas d'aiguilles à part parce que si je les mettais sur des mailles, si je mettais mes 29 mailles de chaque côté sur des aiguilles à part, il faudrait à chaque fois que je vienne chercher la maille sur l'aiguille qui a été mise à part. Donc, je fais juste transvaser pour pouvoir, je fais juste transvaser mes mailles pour pouvoir arriver au milieu. Hein, c'est quand je dis mettre les mailles de côté, c'est parce qu'on a besoin, tu vois, je suis ici. Donc ça se fait sur des aiguilles droites aussi, hein, il n'y a pas de problème. Donc,
Hop, je suis ici, par exemple, imaginons que c'est le début. Donc, je mettrai en attente, simplement en les glissant sur mon aiguille de droite, je mettrai en attente, bon là, je ne vais pas toutes les mettre, mais on va dire que là, j'en ai mis 29. Voilà, elle reste sur mon aiguille de droite et là, je vais joindre mon fil ici et je vais tricoter. Donc, je n'ai pas besoin de les mettre sur, tu n'as pas besoin de les mettre sur une autre aiguille, d'accord? Alors, 26 avant de faire le dessus, 16 à la fin. Alors, au début, ce n'est pas 26 qu'il y a de chaque côté, d'accord? C'est 29 mailles qu'il y a de chaque côté. Hein, c'est 29 mailles que tu as de chaque côté avant de commencer. Et après, il va y en avoir 16. Donc, on va en avoir mangé 13 en fait. Alors, on me demande, ça va être quoi le prochain projet? Alors, le prochain projet, on embarque sur une tuque. Donc, on va commencer à tricoter circulaire. On va faire la tuque moutarde. Donc, Ben, est-ce que tu veux bien, s'il te plaît, mettre le lien, peut-être une photo? Je suis désolée, je l'ai redescendu en bas. Ça, c'est très moi. Je pensais pas qu'on était à cette étape-là. Je ne pensais pas qu'on serait aussi rapide. Mais je la montrerai de toute façon la semaine prochaine. Mais si vous voulez vous préparer, évidemment, ça va être la tuque moutarde qu'on va faire. Donc, on part sur un bonnet. C'est un bonnet qui a eu beaucoup de succès l'année dernière. Je l'aime beaucoup. Et puis, il va venir avec les petites mitaines sans doigts qu'on va faire aussi. Donc, on va travailler sur des aiguilles circulaires. Mais ça va nous amener après sur des aiguilles double pointe, augmentation intercalaire droite, gauche, mettre les mailles en attente pour le gousset. On va bien s'amuser. Donc, les deux prochains projets qui s'en viennent, c'est l'ensemble moutarde, le bonnet et les mitaines. Mais on va commencer par le bonnet déjà pour comprendre qu'est-ce que c'est qu'une côte brisée, comment on met les mailles, comment on tricote en circulaire, comment on va faire nos diminutions et tout, d'accord? Pour nous apprendre à poser les semelles en cuir ou en feutre. Oui, bien sûr. On va faire la totale, c'est-à-dire qu'on va faire les finitions, comment on va faire la couture et comment on va poser les semelles. Je montrerai les deux, d'accord? Donc voilà, donc très important donc pour le prochain cours, si vous voulez enchaîner avec nous sur le bonnet moutarde, je vais proposer deux laines différentes, donc même trois. Si vous avez aimé la casa, la tuque moutarde, elle est faite dans la casa, d'accord? Après, peut-être que vous voulez quelque chose de très doux, si vous avez quelqu'un qui est particulièrement sensible. Et dans ces cas-là, je vous conseillerais de la faire avec la Double Soft Merino. Alors, je vais vous demander une seconde. Je vais juste passer dans la pièce d'à côté, puisque j'avais préparé, mais évidemment, dans la pièce d'à côté. Je vais vous montrer la Double Soft Merino, à quoi elle ressemble, d'accord? 2 secondes, j'arrive tout de suite. Tout le bonheur d'habiter au-dessus de sa boutique et voilà. Donc regardez, donc la Double Soft Merino, c'est un 100% Merino, c'est un petit nuage, c'est super doudou. Donc ça peut être vraiment, si vraiment vous avez peur que la personne elle soit super super sensible, ben voilà, Double Soft Merino, ça sera parfait pour faire la tuque. Je vous en conseillerais deux. Si vous y allez avec la Casa, ça va être 80 grammes pour faire la tuque. Au niveau des aiguilles, je ne me rappelle pas de tout, mais je pense qu'on va aller sur du 3,5 et du 4. Vous allez avoir besoin de plusieurs aiguilles. Je vais vous le mettre dans le groupe aujourd'hui, d'accord? Pour être sûr que vous puissiez avoir tout le matériel ou regarder évidemment dans vos affaires si vous avez ou pas le matériel qui va être nécessaire, d'accord? Donc, voilà. Sinon, si vous avez aussi de la guilliade, moi, la guilliade, je l'adore. D'ailleurs, voilà, les pantoufles, je suis en train de les faire avec la guilliade. C'est un 100% mérino biologique. C'est une compagnie française. C'est des mérinos français qui sont élevés en Provence. Je les aime vraiment beaucoup. Le toucher,
Il n'est pas piquant, mais il est un peu sec. Moi, enfin vraiment, c'est une laine que j'adore. Donc la Gilliatt aussi est une très très belle alternative en 100% mérino. Donc on aura besoin, selon la taille, parce qu'il y a deux tailles, moyen ou grand, 80 grammes de casa, donc ou deux pelotes de Double Soft ou une pelote de Gilliatt, ça fera l'affaire sans problème. Puis voilà, bon, Ben vous met tout ça dans les commentaires et on va vous le marquer. Alors 80 grammes, c'est pas pour la tuque et les mitaines, ça sera 80 grammes pour la tuque, d'accord? Les mitaines va vous prendre, j'imagine, à peu près 50 grammes de plus. Ça prend pas beaucoup les mitaines parce que ça, c'est des mitaines sans doigt. Moi, c'est celle que j'utilise tout le temps parce que, comme je fais beaucoup de vélo, les mitaines sans doigt, ben, pour moi en tout cas, c'est vraiment le best. Alors, ce n'est pas une diquée, c'est une worsted. Donc, worsted, ça veut dire que l'échantillon est compris entre 18 et 20 mailles au 10 cm. Donc, pas une diquée. Oui, la Gilliatt, elle devient douce une fois lavée. C'est vraiment, pour moi, c'est vraiment un grand winner, la Gilliatt. Elle devient douce, mais elle n'est pas crémeuse, d'accord? Elle n'a pas le côté crème du cachemire ou de certains mérinos. Tu vois, la Double Soft, c'est crémeux, d'accord? C'est très crémeux. Est-ce que les aiguilles double pointe peuvent être remplacées par autre chose? Elles peuvent être remplacées uniquement si tu travailles en Magic Loop. Donc, moi, je ne montrerai pas la technique de la Magic Loop. Mais ça va être uniquement sur la Magic Loop. Alors, est-ce que tu peux prendre de la hareng? Eh bien, pour le patron, je ne te le conseillerais pas forcément parce que la hareng va être un petit peu plus grosse. Par contre, si ta hareng a, c'est ce qu'on appelle, on va rentrer dans les subtilités, hein, si c'est ce qu'on appelle un woolen spoon, alors qu'est-ce que ça veut dire un woolen spoon? Ça, c'est bien pour tout le monde. Woolen spoon, vous avez deux manières de filer la laine. En fait, plusieurs, mais grosso modo, deux gros concepts. Worsted spoon, woolen spoon. Ça veut dire quoi? Alors, vous savez, la laine, ça vient en majeure partie du mouton. Donc, c'est une toison. Et puis, la toison, avant de la filer, avant de la twister pour en faire des fils, hein, ce qu'on va faire, c'est qu'on va la peigner. Un worsted, on va la peigner avec des fils, on va la peigner de manière bien droite. On va avoir des fibres pas, très, très parallèles. Et puis, on va donc twister cela. Et ça va nous donner un fil qui va être très, il va avoir beaucoup de définition, il va être très droit. La woolen spoon, au lieu de faire que les fibres soient filées, soient peignées de manière parallèle, on va un petit peu non, les feutre pas. On va les mettre un petit peu je sais pas comment dire, on va un petit peu les croiser entre elles, ce qui fait que quand on va les filer, elles vont avoir du gonflant. Et elles vont être un petit peu plus malléables au niveau de l'échantillon. C'est souvent des. Vous voyez, par exemple, la Gilliatt, c'est un woolen spoon. Donc, c'est une fibre qui est très gonflée, d'accord? Qui n'a pas forcément le côté super défini de la casa, qui est un worsted spoon. Mais ça lui permet d'être très polyvalente au niveau de son échantillon. Elle va très bien répondre en worsted, mais elle pourra aussi répondre en chunky, c'est-à-dire qu'elle peut aller au-delà du hareng. Elle peut être un 16 mailles parce que sa faculté à gonfler grâce à la manière dont elle a été filée va faire qu'elle est beaucoup plus polyvalente qu'un worsted qui ne va pas gonfler de la même manière. Et puis l'avantage aussi avec le woolen spoon, c'est qu'il y a beaucoup plus d'air qui est attrapé quelque part dans ce filage. Donc c'est une fibre qui est plus légère. Et quand on regarde au 100 grammes, vous voyez la Gilliatt au 100 grammes, c'est 250 mètres. Et pourtant, c'est le même échantillon que la Casa, qui est elle aussi un worsted. Et la Casa, il y a 200 mètres au 100 grammes. Donc vous gagnez en fait 50 mètres avec la Gilliatt. Avec une pelote de Gilliatt, je pense, sans trop m'aventurer, que vous pourriez faire, je pense, et le bonnet et les mitaines. Faudra que je vérifie quand même, mais on gagne quand même pas mal de métrage. Donc c'est très intéressant. Est-ce que j'ai répondu à toutes les questions? Ah, comment tu sais cela quand tu achètes? Alors, comment je sais cela quand j'achète? Ben d'abord parce que je regarde mes fibres. Ben, je les connais, ça fait un sacré bout de temps, si tu veux, que je suis dans mon petit monde, mais
D'abord, si t'es dans une boutique de laine qui normalement est tenue par quelqu'un qui sait un minimum son métier, il doit pouvoir te dire si c'est un woolen spoon ou un worsted spoon. Alors après, si t'es en France, oublie ça. Ils vont te regarder avec des grands yeux en se demandant de quoi tu parles. Mais normalement, une boutique de laine doit savoir si sa laine, c'est un worsted ou un woolen. D'accord ? Ensuite, tu peux la regarder. D'accord ? Est-ce qu'elle est bien régulière ? Attends, je vais te montrer. Je vais montrer au... Donc, ça, c'est un brin de Casa. Hop. Oh, attendez, j'essaye de faire un bon focus. Je vais y arriver. Voilà. Donc, ça, c'est un brin de Casa. Donc, attendez, je vais juste essayer d'avoir un... Ouais, j'ai un beau... Voilà, ça, c'est un brin de Casa. Donc, est-ce que vous pouvez voir à quel point le fil est extrêmement régulier ? Donc ça, c'est un worsted spoon, d'accord ? Le fil est très, très, très régulier. Vous voyez, il n'y a pas de gonflant. On voit que c'est vraiment, si je le détwiste, hein, c'est un trois fils, c'est un trois plis. Donc, si je détwiste mon fil, voilà. Voilà, vous voyez, mes fils sont très réguliers. Voilà. Maintenant, je vais prendre la Gilead, donc qui est un woolen spoon. Attends, je vais prendre... Est-ce que je peux récupérer un fil de l'intérieur ? Attendez, excusez-moi. Ouh, je suis en train de faire des catastrophes. Attendez, j'essaie juste de récupérer un fil de l'intérieur. J'ai l'impression d'être en train de farcir une dinde le jour d'Halloween. Excusez-moi, je cherche à l'intérieur de ma pelote. Attendez, hop, 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 hop. Viens là, mon coco. T'es où ? T'es où ? Ok. Je fais des bêtises. Ok. Donc, voilà. Allez, un petit close-up sur la Gilead. Alors, est-ce que vous pouvez voir à quel point le fil est beaucoup moins défini ? Vous voyez ce côté un petit peu gonflé ? On le voit quand même, hein. Dites-moi, genre, je vois rien du tout, je vois pas de quoi elle parle. Ou, oui, bien sûr, c'est évident. Est-ce que vous voyez le côté beaucoup plus gonflé de la fibre, là ? Je vais mettre l'autre à côté. Ah, c'est clair, là. Dites-moi que... est-ce que vous voyez le côté super lisse de cette fibre-là ? Et est-ce que vous voyez ici le côté un petit peu gonflé, un petit peu moelleux, hairy ? Hairy, comment dire ça ? Vous voyez la différence quand même qu'il y a entre les deux ? Il y a beaucoup plus d'air là-dedans. Il y a beaucoup plus de... Hein ? Oui, parfait. D'accord. Alors, je suis désolée, je ne vois pas le bout du fil, mais vous voyez, si je détwiste... Bon, c'est vraiment... Il y a vraiment une grosse différence. D'accord ? Ok, oui, c'est clair. Ok. Donc, voilà, les woolen spoons, notamment si vous décidez de faire un... Attendez, on va se remettre... voilà. Donc voilà, woolen spoon, donc vraiment une fibre très très différente. C'est une fibre différente, d'accord ? C'est une fibre différente, c'est une fibre un peu moins... oui, les laines Lopi sont des woolen, tout à fait. Oui, tout à fait. J'aime bien la comparaison des cheveux, c'est exactement ça. Oui, voilà. Alors, par exemple, si vous êtes un amateur de jacquard, le woolen spoon, ça sera votre meilleur ami. D'accord ? Parce que comme c'est des fibres un petit peu plus libres quelque part, elles vont facilement s'amalgamer les unes aux autres et donner une vraie consistance à votre jacquard. Donc, le woolen spoon, c'est le super copain du jacquard. Si vous voulez faire un beau jacquard, woolen spoon. Voilà. Maintenant, est-ce que ça veut dire worsted spoon, j'en veux plus jamais ? Non, évidemment. D'accord ? Worsted spoon a aussi ses qualités. C'est un fil qui est très clair. C'est un fil... Voilà, d'accord ? Vous pouvez faire aussi un très beau jacquard avec le worsted spoon, d'accord ? Le woolen va donner, je vous dirais, un petit côté un petit peu plus hairy et tout ça. Là, je suis obligée de chanter le temps d'une dinde. Alors, j'ai aucune idée, Alexa. C'est quoi le temps d'une dinde ? J'ai aucune idée. C'est quoi cette chanson-là ? Alors, non.
Laurent de Fausse-Côte, le patron, dit de répéter 6 fois. Donc, 7 rangs au total ou 6 au total? C'est 6 au total, d'accord? Non, 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 attends. C'est facile de diverger, je suis d'accord avec toi. Donc, c'est 6 fois au total que tu vas faire ce rang-là, d'accord? Pas 7. Mais très, très bonne réflexion, c'est 6 au total et non pas 7. Ok. Bon, écoutez. Ok, cool. Bon, alors, eh bien, ça nous a emmené loin, ce cours. Donc, on se voit la semaine prochaine. On se voit la semaine prochaine. On va donc voir les coutures et on va commencer à voir comment on va monter notre bonnet en rond. Et on va d'abord voir comment on va faire un échantillon en rond, parce que ça, c'est super drôle. On va voir comment faire un échantillon en rond et comment on va se mesurer la tête et alouette et comment on va commencer notre patron. Donc, la semaine prochaine, on commence la tuque moutarde. Et puis voilà. Donc, vous pouvez aller télécharger le patron qui, bien sûr, est gratuit. Et on se voit la semaine prochaine. Merci beaucoup. Et puis, j'espère que, je ne sais pas pour ceux qui ne sont pas à Montréal, mais ici, il fait un super temps. Donc, profitez de cette lumière magnifique et à la semaine prochaine. Bye bye. Et oui, j'irai voir Le Temps d'une dinde, c'est une chanson. Ok. Bye bye tout le monde.